Jeudi 8 février, Nicolas Hulot lançait une bombe sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin. Très ému, le ministre évoquait les rumeurs qui pesaient sur lui quant à des affaires d'agression sexuelle ainsi que l'enquête du magazine Hebdo qui sortait le vendredi. Le ministre d'Emmanuel Macron niait ses accusations précisant que ces deux affaires n'en, étaient, pas. Le lendemain, l'hebdomadaire révélait que l'écologiste avait fait l'objet de deux plaintes pour agression sexuelle et viol. Si le parquet de Saint-Malo a confirmé qu'une plainte pour fait de viol a été déposée en 2008, celle-ci a été classée d'ensuite. Ces révélations ont provoqué un véritable tollé. Les politiques, dont Marlène Schiappa, la secrétaire d'État pour l'égalité femmes-hommes, ont pointé du doigt la volonté de faire du buzz par ce tout nouveau journal. Nicolas Hulot a pris la décision de répliquer également. Le ministre de la Transition écologique a décidé de porter plainte pour diffamation contre Hebdo mais aussi contre les journalistes Anne Jouan et Laurent Valdiguier. La plainte sera déposée d'ici la fin de la semaine, ont précisé les avocats du membre du gouvernement.